Allez, bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième quart de finale de la Coupe de France N18 masculine, toujours à Lyon, toujours Petit Palais de Gerland. Troisième quart de finale qui suit donc après celui du PUC qui a gagné contre Arles ce matin 2-0 et contre l'Arago de 7 qui a gagné 2-0 contre Tours. Donc ces deux équipes se retrouveront pour la première demi-finale. Et là on va assister au troisième quart de finale donc entre Saint-Nazaire et La Sulle. Et je serai accompagné pour ce live de Fabien. Bonjour Maximilien. Bonjour. Bonjour à tous. Le binôme est reformé après la journée d'hier, la journée marathon. Donc belle Fabien, confrontation qui se présente à nous là cet après-midi. Tout à fait, avec une opposition de style je pense. Hein, avec Saint-Nazaire qui est réputé pour son fond de jeu, sa défense. Et Lyon qui a des atouts offensifs. Après donc Fabien, tu me diras si je me trompe, mais il va être difficile pour toi d'être neutre sur cette rencontre qui oppose donc ces deux clubs. Hein. Ah, ça va le devenir. Va le devenir de plus en plus au fur et à mesure des matchs. Oui, en effet, alors c'est un peu particulier puisque moi je suis de Lyon, je suis responsable d'une structure du Pôle Esport de Lyon et beaucoup de ces joueurs-là, je les ai soit actuellement en structure, soit je les ai eus. Ça fait. Donc effectivement, oui. Au quotidien presque, hein. C'est des jeunes que tu vois au quotidien. Donc c'est vrai parce qu'à Lyon, si je dis pas de bêtises, donc plusieurs évoluent au Pôle. D'autres sont passés, mais d'autres sont aussi au CNVB. C'est ça. Et d'autres viennent des États-Unis en universitaire, avec un cursus universitaire aux États-Unis. C'est ça. Donc on a Adrien Roure, qui est le joueur un petit peu phare, statut important dans cette équipe. Adrien qui était effectivement pensionnaire du Pôle Espoir de Lyon, qui est actuellement au Centre National à Montpellier, et qui est en partance lui aussi pour une belle aventure universitaire américaine. Tout à fait. Et on aura effectivement un joueur, Colin Castelnau, qui est lui par contre de retour expressément des États-Unis pour participer à cette compétition. On peut dire un petit peu que La Sulle est un excellent club tremplin pour les jeunes lyonnais, ou même les jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, complètement. Alors c'est souvent un mal pour un bien. C'est un club tremplin parce que des budgets serrés pour jouer à des niveaux élites ou Ligue B, comme ça a été le cas par le passé ici, mais effectivement c'est super pour les gamins et pour les joueurs parce que sortant de structures comme les pôles, ils intègrent directement un club et un niveau de pratique qui est élevé et intéressant pour leur évolution. Je vais te laisser aussi présenter le staff de. D'abord on voit la présentation des deux arbitres, donc rappelez que de toute façon sans arbitre, pas de match, pas de compétition, donc Jessica Sastre qui est sa première arbitre. Et qui sera effectivement assisté par Jean-François Brudet, second arbitre. Voilà. Et nous assistons ici à la présentation des équipes. Pendant cette présentation, je vais présenter un petit peu le staff hein, de Saint-Nazaire. Donc avec un entraîneur principal, Faisal Baraka, un jeune entraîneur, accompagné de très connu hein, DJ Marion, qui a fait le bonheur, pour presque pas dire tout, à Clamart, et qui maintenant, entre guillemets, transmet son savoir à ce club qui a remporté le championnat de Ligue 1 masculine cette année. Et oui, hein, une belle structure hein, que ce club de Saint-Nazaire. On a affaire ici à un gros morceau du championnat français aujourd'hui, avec qui il faut compter. Tout à fait, un club de futur qui est en plein développement, en plein explosion. Hein. Allez, on voit ici la présentation des joueurs de La Sulle. On assiste à une présentation sympathique pour ces gamins aussi de 18 ans, rappelons-le. Je te laisse présenter le staff. Oui, le staff de La Sulle qui est avec le coach Florian Anselme, qui est un jeune entraîneur en formation aujourd'hui du club de La Sulle, qui est un entraîneur qui a un tout petit peu exercé aussi cette fin de saison avec l'équipe élite du club. Il s'est fait un petit peu ses premières armes et qui vit aujourd'hui une belle aventure. Il est assisté d'Iliès et de Siwan, qui sont aussi deux entraîneurs du club présents ici depuis quelques années maintenant. Ouais, Siwan, préparateur physique au pôle chez les féminines aussi. Exactement, oui, c'est ça. Il est préparateur au pôle. Il travaille aussi avec les équipes de France jeunes en féminin. Donc quelqu'un qui est bien intégré avec nous au sein de la fédération. Allez, plus que quelques minutes avant ce coup d'envoi. Donc je rappelle hein, la formule, 2-7 hein, de gagnant, 2-7 de 25 points, 2 points d'écart. Si jamais il y a égalité un partout, on aura le droit à un tie-break de 15 points. Le filet
2m35, contrairement aux seniors où les seniors évoluent à 2m43. Donc c'est leur dernière année à cette hauteur-là. Autant dire qu'ils peuvent se faire plaisir à l'attaque. Effectivement, au regard des gabarits, de ce qu'on peut lire sur ces fiches et de ce qu'on peut voir sur le terrain, complètement, c'est les joueurs qui vont se faire plaisir pleinement offensivement à ces hauteurs. Ouais. Donc effectivement, beaucoup de joueurs cadres du côté de Lyon, qu'on a eu la chance de commenter déjà deux fois hier. Moi, j'étais impressionné par le Maxime. Maxime qui joue pointu, mais qui est capable de réceptionner aussi. Vraiment une équipe... Moi, j'ai senti une équipe très homogène, très complète. Alors c'est des joueurs qui évoluent ensemble depuis de nombreuses années, mais qui n'ont pas évolué ensemble cette année dans leur parcours de Coupe de France, puisque certains ont été en Coupe de France M21, d'autres en Coupe de France M18. Adrien Roure, qui est au CNBB, lui n'a pas fait du tout le tour avec eux. Colin Castelnau, qui est aux États-Unis non plus, n'a pas du tout fait de tour avec eux. Donc voilà, ils se réunissent là, mais maintenant, on l'a déjà dit hier, mais c'est des joueurs qui ont déjà joué ensemble par le passé. Et qui ont vécu quelques belles aventures déjà. Donc, c'est une mini sélection lyonnaise. C'est exactement ça, ouais. Ils ont un parcours, c'est des gamins qu'on a en structure depuis toujours, donc ils se connaissent très bien. Et ils ont à cœur à domicile ici de marquer le coup, quoi. Donc au niveau de Saint-Nazaire, c'est vrai qu'au niveau de gabarit, on l'a noté avant le match, aucun joueur n'est supérieur, n'a une taille supérieure à 1m90. Et leur meilleur attaquant sur le papier, et d'après les discussions avec les différents entraîneurs, serait le numéro 7. Robin Henry, oui. Qui est en réalité passeur du centre de formation de Saint-Nazaire, mais qui a des qualités physiques extraordinaires et qui, à cet âge-là, peut encore se faire plaisir. C'est sur ses hauteurs de filet, comme on le disait juste avant, effectivement, on doit pouvoir voilà. Encore faire valoir quelques bonnes choses. Saint-Nazaire joue vraiment sans pression, parce que le discours du coach, c'était prendre du plaisir et jouer contre un champion du monde. Donc champion du monde, il parle de... D'Adrien Roure, ouais, voilà. Complètement, qui a été champion du monde avec l'équipe de France U19 cet été, avec cette belle génération. Et Adrien est fait partie de cette équipe, ouais, en tant que réceptionneur attaquant. Allez, c'est parti avec le premier service pour le passeur. Tom, au service. Très beau service. Balle bien tenue par Antoine, le libéro. Et tout de suite, on joue par le centre. Tout de suite, on passe par le centre. Avec Lawen Lebrun, on le rappelle également, Maximilien, on l'a dit pas mal de fois hier, mais pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, Lawen Lebrun, le numéro 7 de la SUL, n'est pas central au départ, c'est un pensionnaire du Pôle Espoir de Lyon, mais qui est réceptionneur attaquant et qui pour l'occasion et pour cette compétition rend service à l'équipe. C'est ça, tout à fait. Sur un poste qui n'est pas le sien au départ. Le service, mais réception correcte. Bon renversement. Voilà, bon renversement, effectivement, du passeur et un très bon bloc d'Adrien Roure en 1 contre 1. C'est ça. Donc le fameux champion du monde. Allez, très bon bloc, propre. En 1 contre 1. Très propre, c'est très bien. En tout cas, une bonne entame de match. C'est ça. Tambour devant, battant. Devant les tribunes qui commencent à se remplir progressivement au fur et à mesure de la journée. Toujours Lawen Lebrun au service. Et qui dépose de service sur le libéro. Bien tenu par le libéro, très belle réception. Ah oui. Belle. Bel angle. C'est Jules Baudinier qui effectivement fait une belle petite diagonale. Et au service, on va retrouver le réceptionneur attaquant. Donc Léo Leport Algan. Donc Léo R4. Donc pour les novices, R4, réceptionneur attaquant sur les joueurs qui prennent la réception et qui contre-attaquent. Réception difficile, mais c'est bien gardé. Première main de Lucas Roy. Qui est défendu, et Adrien qui est présent encore au bloc. Ouais, bonne lecture. Et c'est bloc gagnant, Corentin Berlier, assisté de Lucas Roy sur ce bloc. Et toujours cette petite danse sur les points gagnants. On voit une équipe qui prend du plaisir à évoluer ensemble. Alors effectivement, c'est au détour du tournoi hier, au détour d'une boisson avec quelques coachs et quelques spectateurs, les gens m'ont fait cette remarque en me disant c'est dingue, cette équipe de Lyon, là, ils ont toujours le sourire, ils prennent plaisir à jouer ensemble. Belle réception. Bien tenu encore par ce libéro. Voilà. Effectivement, Maximilien, une belle attaque, belle hauteur. Robin Henry qui va pouvoir rivaliser un petit peu avec ses hauteurs de bloc. Tout à fait. Il y a l'Azul qui a l'air de vouloir tester un petit peu le libéro en début de rencontre, voir un petit peu s'il est dans son match. Le jeune Théo Amon, numéro 20, 15 ans seulement. Jeune libéro. C'est vrai. C'est avec beaucoup de jeunes à Saint-Nazaire.
Et belle réception. Bien tenue d'Antoine. Alors, super accélérée. Ouais, super, belle passe. Alors ça vient se jouer à quelques centimètres. Quel dommage. Quel dommage, c'était les rythmes sont bons. Hein. C'est très bien engagé de la part de Lucas et de Maxime. Ouais, tout à fait. Alors je vais, c'est moi qui vais le dire, comme ça ça s'arrêtera plus net. Mais moi là, Lucas, sa passe, elle est magnifique. Elle est très accélérée. Ce ballon, il tombe pas du tout. Il est parfait pour l'attaquant. Hein. C'est toi qui le dis, Maxime. Voilà, c'est pas le papa. Non, non, super. Ah, situation difficile à gérer. Adrien en appui. Ah, magnifique. Effectivement, fait le travail. Fait le travail, hein. Maximilien, on le disait hier, hein. Adrien a statut de leader dans cette équipe et voilà, dans les moments difficiles, c'est à lui qu'on donne. Complètement. Et là, il a raison, au lieu d'aller chercher l'ailier numéro 7 hein, de Saint-Nazaire, qui est Robin Henry et qui a un peu plus de hauteur, a plutôt tendance à taper la diagonale, aller chercher le petit central, entre guillemets, où il y a moins de blocs. Mais on va avoir droit à des gros services normalement d'Adrien. Il a tout mis, hein, normal en début de set comme ça. C'est bien appuyé, il va prendre ses repères. 4-4, c'est normal qu'il prenne des risques en début de set. Allez, on va retrouver au service le numéro 3 de Saint-Nazaire, pointu Jules Baudinier. Le service flottant, bon très service agressif flotte. Sur les épaules. Alors voilà. Et Lucas qui, avec expérience, c'est ça, qui met la main juste pour dire deux, on m'a gêné. Qui va essayer de protéger ce ballon très difficile et qui va faire en sorte de le jouer pour mettre en difficulté le central adverse qui est sanctionné pour avoir pris la balle en face. C'est ça. Ce qui est interdit, hein, on le rappelle, pour nos spectateurs. Oh, et la balle est bonne. Le coach très fair play de Saint-Nazaire aussi hein, qui l'annonce. C'est vrai. C'est vrai. C'est à noter. Hein, parce que moi j'ai trouvé, justement, j'en parlais ce matin avec Sandrine, qu'il y a beaucoup plus de tension sur le secteur masculin que sur le secteur féminin. Ah bon, c'est vraiment tendu sur le banc des fois. Peut-être un peu d'excès de testostérone, Maximilien. Voilà, exactement. C'est exactement ce que m'a dit Sandrine. Allez, belle réception, allez, belle réception du passeur, hein, réceptionneur attaquant. Oui, mais c'est enfermé par Lawen Lebrun. Bon, bon, ouais. Il effectue encore un bon bloc. C'est ça, effectivement. Robin est physique, mais n'a peut-être pas l'expérience derrière 4 vraiment de métier d'aller chercher des angles un peu. Ah, c'est un métier, hein. Ouais. On s'improvise pas non plus R4 comme ça du jour au lendemain. Hein. Ah, surtout face à des joueurs aussi, voilà. Aussi qui commencent à être un peu expérimentés, hein, qui sont propres sur les placements de blocs. Et on va le chercher. Un bon service de Corentin Berlier encore. Très très bon service hein, sur ce joueur qu'on le rappelle qui n'est pas réceptionneur d'habitude. Hein. Didier m'a dit, hein, Didier Marion, donc le coach adjoint, m'a dit avant le match qu'il a commencé à réceptionner il y a 2 semaines juste pour la compète. Oui, effectivement, ah, ça se voit assez vite. C'est un bon service de Corentin, hein. C'est un service qui sort sur la ligne latérale, l'extérieur, flottant. C'est compliqué pour les réceptionneurs hein, de venir tenir ça. Déjà un réceptionneur de métier entre guillemets, oui, peut avoir des mal, alors forcément quelqu'un qui fait ça pour rendre service à l'équipe. Et la Sul qui déjà fait le petit break en menant 8-4. Exactement. Sur ce premier temps mort de Saint-Nazaire. Ouais. En plus je pense que ça peut avoir tendance à le sortir du match en plus hein, en servant son meilleur attaquant. Si malheureusement on l'a vu un peu hier avec Saint-Cloud, avec un Maxime, j'ai plus son nom de famille, mais qui est complètement sorti de son match sur le deuxième set parce que l'équipe adverse l'a snipé tout simplement. Et ils ont testé le libéro en début de partie, c'est Lyonnais. Ouais, ils viennent attester le réceptionneur attaquant Robin. C'est ça, le meilleur R4. Ils vont se rendre compte qu'effectivement, peut-être que la cible, ce serait peut-être lui. Ouais, c'est mal maîtrisé, bien tenu. Ouais, on va chercher le pointu à 3 mètres. Mais... ouais, c'est encore stable au niveau du bloc. Hein. Sur une situation un petit peu moyenne. Offensivement, le bloc de Lyon est propre. Ouais. On a vu hier aussi, hein, de temps en temps, Lyon qui arrive à prendre des options plus avec des blocs à 3. Oui. Alors aujourd'hui, ça sera peut-être pas nécessaire. Ouais. Belle série. Hein. Ouais, faut que je dise ça toujours. Ouais, c'était une belle série de Corentin Berlier qui permet à Lyon d'avoir déjà plus 4 alors qu'on n'est pas encore arrivé à 10. Avec un score de 9-5. On va retrouver au service Robin Henry. Fort à Paris qui sert ce matcher. Qui peut-être fait, ouais, c'est ça, va engager un petit peu de puissance. En tout cas, il a le physique pour se le permettre. C'est bien lancé. Ok, hein, il tient un petit peu assuré. Un bon renversement de Lucas. Oh, un joli bloc. Alors la passe peut-être un peu dans le fil. Ouais, elle rentre un petit peu dans le fil. C'est ça. Et Léo du coup qui franchit pour aller chercher ce ballon à la limite du règlement. Alors
alors toujours cette particularité pour Lyon de prendre la RSAP à 4, hein, parce qu'ils ont un pointu qui est réceptionneur. Il a forcé un peu plus, c'est malheureusement. Ce service reste dans le filet. Allez, premier service de Maxime. Maxime Comté, hein, qui a fait une belle journée hier. Hein. On l'a dit tout à l'heure, Maximilien, ouais. Mais qui a été présent, qui avait bien servi. Est-ce qu'il saura reproduire une deuxième journée comme ça, hein, espérons-le. Ouais, bien attaqué. Personne en défense, hein, sur le long. Peut-être un bloc ligne, hein, mis en place. Allez, Lucas au service, petit central d'un mètre 80. Alors oui, hein, c'est ce que je disais ce matin avec Sandrine au commentaire. 1m80, c'est petit pour nous, hein, ouais. Parce que dans notre milieu, c'est ça, dans les épaules, dans les structures, on est habitué à des gabarits de bien plus importants. Petit raté de Maxime. Eh oui, qui a voulu alterner et changer. Ouais. Saint-Nazaire qui revient à moins 2, qui s'accroche avec ses armes et ses supporters. Très bon service. Ouais, belle réception d'Adrien. Et bien accéléré de Lucas. Et belle défense. Hein. Ok. Ouais, joli 3 victoires. Ah, typiquement, cette équipe se bagarre. Hein. Avec ses armes, elle se bagarre. Nazir qui recolle à un point. On voit l'écran mis en place, hein, et le service qui va forcément derrière l'écran. Encore sur le libéro, et Colin qui vient accélérer. C'est passé en vitesse autour du bloc, sur la petite diagonale. Okay. Très bien joué de la part de Colin, qui va enchaîner avec le service. Alors, Colin Castelnau, on le disait tout à l'heure, il est rentré donc des États-Unis pour cette compétition, hein. Il était étudiant en université américaine toute l'année. Et pour la petite histoire, il est arrivé hier, la maman me disait, il a mis 44 heures pour arriver. Ah la vache, avec les correspondances, tout ça. Ouais, avec des erreurs, avec des annulations de train, d'avion et compagnie. Ah, elle est bien touchée par le jeune libéro, mais malheureusement, il n'a pas réussi à remonter cette balle. Théo Hamon, hein, 15 ans, je rappelle. Donc ça date un 2008. Et toujours Colin qui a fait une belle roulette sur ce premier service. Et là il en veut. Il essaie d'alterner court et long. Et au service pour la deuxième rotation, on va retrouver le passeur à nouveau, numéro 9, Tom. Et qui lui aussi va servir ce match. Avec une balle enroulée sur le poste 1. Et encore une fois, un appui au centre avec Lawen Lebrun. Ouais, la passe. Ouais, départ de bloc à 3. Ouais. Finalement, sera abandonné par Adrien. Ouais, c'est une situation de paille. Délicate, mais sur laquelle il se débrouille. Ouais, oui, il va falloir commencer à resserrer un petit peu les boulons. Il va falloir monter d'un cran. Ouais, resserrer les rangs et commencer à s'engager un peu offensivement là, s'ils veulent ne pas avoir de déconvenus, cette équipe lyonnaise. Ouais. Heureusement que Saint-Nazaire fait quelques fois. Ouais. Alors on le répète, hein, c'est des jeunes joueurs, hein, qui ont entre, pour certains, 15, 16, 17 ans. C'est ça. Qui vivent peut-être leur première phase finale. C'est des joueurs qui sont amenés à faire des fautes, hein, dans le jeu. Petit libéro qui fait son match. Hein. Très belle passe accélérée. Hein. Complètement, il fait son match, ouais, il tient la réception pour l'instant. C'est étonnant qu'on ne revienne pas sur le numéro 7 plus tôt et plus souvent. Ouais, au service numéro 10, Léo. Service un peu hybride. Hybride, voilà, merci. Tu as trouvé le mot que je cherchais. Bloc à out pour Colin. Qui est sur l'attaque, qui se remet en 1. Bien joué le bloc à out. Maximilien, on se fait un petit rappel pour nos spectateurs de ce que peut être un bloc à out. Un bloc à out, c'est tout simplement quand l'attaquant va venir attaquer dans les mains du bloc adverse et que le ballon sort ensuite des limites du terrain.
et du coup qui fait point pour l'attaquant. Il y a quand même une belle réception du libéro, renversement. Ouais. C'est vrai que là pour le moment tactiquement, bon, service sur le libéro, ok. Et on voit qu'ils prennent presque une option à 3 du coup sur le R4, mais le passeur renverse bien et du coup le bloc arrive un petit peu en retard. Numéro 5. Numéro 5, Jules Bar. Allez. Allez, Lyon en réception. Très belle réception. Un super angle de Maxime qui va chercher une petite diagonale. Et Maxime Comté qui reste présent dans cette offensive. Qui est solide, hein, voilà. On va avoir le droit à un changement de joueur. Des gens qui reprennent leur place. Donc là, moi par exemple, typiquement, j'irais chercher un service P6, P5 plutôt qu'aller chercher le libéro. Ouais, je pense qu'en effet, ouais, il faut aller chercher ce numéro 7 là, hein, qui, comme on le disait, n'est pas forcément un spécialiste, n'est pas forcément habitué. Ça, le sortir de sa zone de confort, entre guillemets, qui est tapé simplement. Ouais, Adrien, ouais, qui est sur sa deuxième rotation, fait également une faute. Ouais. Ouais, 15-14, donc Lyon qui reste devant, mais qui prend pas de. Qui break pas, on va dire, qui break pas, qui prend pas d'avance. Comme tu dis, il va falloir remonter le niveau de jeu. Ouais, ça défend plus que hier. Hein. Faut pas se frustrer, faut rester lucide dans les capacités, dans les compétences que l'on a. Ouais, bien sauvé, bien sauvé par Lucas. Ça, ça va être difficile. Très bien joué, hein, de la part du 7. Le ballon est chez lui, hein, donc il a le droit. Mais il y a un joli franchissement. Et cette équipe qui revient à égalité. 15 partout. 15 partout. Allez, Saint-Nazaire qui continue à chercher le libéro. Ouais, exactement ça. Réception difficile avec une passe de transition qui va être compliquée pour Colin, mais Colin qui s'en sort bien. Mais c'est défendu. Une belle passe de transition. Ouais. Ouais, c'est dommage parce que. Défendre Colin, c'est pas facile. Il y avait une défense plus que correcte, la passe de transition était belle, mais le pointu n'a pas osé attaquer, aller chercher le fond du terrain ou le haut des mains. On retrouve au service le central numéro 9, Corentin Berlier. Qui là a cherché la bonne zone, mais s'est tenu encore. Deuxième main du passeur. Bien défendu, la première main du passeur en effet. Et bloc à 3. Et Maxime qui vient jouer le bloc out. Alors, il y a une faute de filet de. Faute de filet pour Saint-Nazaire. Et deuxième service du central Corentin à Berlier. Et mini break, hein, pour Lyon, 17-15. Il reste sur le libéro encore, ouais, hein, il tient bien. Et beau bloc, bien bloqué. Hein, Nawal qui présent. Fait un bon début de match. Hein. Et bloc à 3, mais finalement. Et encore Colin, Lawen Lebrun présent. Il reste propre. Et du coup, voilà. Du coup, très bien. 7, une passe de relais pour Adrien Roux. Belle passe. Et bloc à 3. Ouais, bloc à 3 avec Robin qui vient fermer ses angles là et sa hauteur fait la différence. Ça fait. C'est presque le compteur qui vient de plus loin qui est le plus haut. 17-16, moins 1 pour Saint-Nazaire, plus 1 pour Lyon. Lucas qui est arrière, donc il n'a pas le droit de faire de deuxième main. Il va falloir garder un petit peu la récepte. S'engage sur un service matché. Malheureusement, une petite erreur de main qui permet à la SUL de repasser à plus 2 avec Maxime, un gros serveur. Et le speaker qui essaye de lancer, de mettre un petit peu d'ambiance. Et Maxime au service. Avec un super lancé qui fait vraiment rentrer dans le terrain. Et un ace. Allez, 19-16, plus 3. Ils ont refait un petit peu le retard, hein, cette équipe lyonnaise là qui a été un petit peu malmenée, hein, qui a un petit moment faible à gérer. Tout à fait. Ouais, ils sont pas trop non plus, hein, ils se sont pas trop non plus énervés, hein, ils sont pas trop agacés, sont restés lucides dans cette gestion de moments faibles. C'est important, hein, on passe souvent par ces moments en match, hein, Maximilien. Hein, ouais, tout le monde, hein, de toute façon l'équipe qui n'a pas de bas, hein, c'est rare, surtout à cet âge-là. Et il y a aussi Saint-Nazaire qui a une très bonne organisation défensive, qui joue crânement sa chance et qui a fait de belles choses. C'est un match plaisant.
Ouais. Nouveau service de Maxime, un peu attendu. Moi. Allez, Maxime Comté au service. Bel engagement ce matché. Très belle recette et belle deuxième. Oui. Bien joué. C'est déjà la deuxième hein, du set. Très bien joué. Et moins 2. Là on voit en gros plan donc le passeur numéro 9. Tom. Allez, le service. Petit central de poche. Réception tenue. Ouais, Colin Castelnau qui accélère hein, sur cette balle dans la diagonale. Encore une fois, hein, il prend le parti de prendre vite la balle pour passer autour du poste du bloc. Ouais. Mais beaucoup de vitesse. C'est avec une belle orientation. Hein. Là pour aller le chercher sur ce bloc, hein, pour aller bloquer sur cette petite diagonale, il faut vraiment. Si l'ailier n'est pas déjà engagé dans la course, on retrouve Colin au service. Ouf. Ça se joue à quelques centimètres. Moins réussite qu'hier, hein, cette équipe de Lyon au service, là, avec Adrien, Colin, qui ont fait pas mal d'erreurs. Ce qui fait aussi un peu la différence, hein, par rapport à ce qu'on a pu voir sur cette première journée hier. Ouais, service du passeur. Il l'a sur. Ouais, belle réception de Ouais, belle surcharge, super. Ouais, plusieurs fois ils l'ont fait. Il a joué ça. Hein. Un très bon point de fixation de Lawen et Lucas qui décide de temporiser et d'accélérer vite à l'aile sur Adrien qui se retrouve tout seul en 1 contre 1. Ah, c'est une... Là-dessus pour moi, tu vois, c'est 75% du point, c'est Lucas. Quoi. L'attaquant n'a plus qu'à finir. Et belle réception du libéro qui couvre hein, le numéro 7. Et Lucas qui reste présent sur les fins de set au bloc, hein. Ça a été un peu la marque, sa marque de fabrique, j'ai envie de te dire, Maximilien, hier. Hein, sur les fins de set, il a été présent sur des blocs contre un gagnant. Tout à fait. Il y a 21-18. Exactement. Il y a deux passeurs comme ça qui sortent hein, des fins de set. Hein. Il y a donc Lucas avec la Sud et il y a le petit jeune Arthur aussi au puc qui en fin de set accélère un peu et prend le jeu à son compte. C'est vrai, c'est vrai. Il y a encore un nouveau service hein, dans le filet. Hein, qui permet à Saint-Nazaire de rester dans le match. Et continuer à y croire. 22-19. Ils sont pas loin, hein. Ils sont pas loin. Ils tiennent la dragée haute à cette équipe de la Sul qui nous a fait forte impression hier. Tout à fait. Heureusement que la Sul continue à garder son sérieux sur le recep. Là, on voit encore une très belle recep hein, qui permet de jouer au centre. Bien joué. Encore une fois, très bien joué. Hein. On n'a pas peur en fin de set, sur des moments chauds, de jouer une balle qu'on n'a pas jouée encore. On joue par le centre sur une DK. Voilà, c'est ça, DK. Donc qui porte très bien son nom, hein, n'est-ce pas, avec, donc qui est décalé par rapport au passeur. Le central habituellement vient jouer en fixe, collé sur son passeur. Et Lucas au service, qui pourrait servir droit devant lui. Hein. Il a un très bon service ligne, voilà, super, c'est exactement ça. Réception moyenne avec un gros bloc à 3. Et un bloc à 3, très bien exécuté. Allez, ça va être sauvé. Ça va être une balle cadeau à jouer. Bien joué. Il n'y a pas si cadeau que ça. Ouais, il y a des cadeaux. Moins cadeaux. Lucas qui prend un risque aussi en jouant très vite sur une balle loin, un grand renversement. Ouais, effectivement, Lucas fait une bonne fin de set. Hein. Ça permet un petit peu à cette équipe de respirer un peu. C'est ça. Dans tous les compartiments, hein, au bloc, sur ces passes-là et sur ces décalages et sur ce service. Je pense que c'est le caractère de Lucas. Sans compter qu'il va revenir sur un service ligne très probablement. Hein. Il le maîtrise plutôt bien. Ce qui tombe sur le numéro 7, non spécialiste. Il décide d'alterner avec une frappe. Et là, il a vraiment envoyé. Il est sur un service aussi un peu hybride. Ouais, c'est bien ça. Hein. Et une balle cadeau pour finir. Ouais, malheureusement, une relance très moyenne que Lucas essaye de jouer à une main. Là, ça, c'est une erreur, par exemple. Ouais. Ça, c'est une erreur, par exemple, Maximilien. Sur une balle pareille, on ne doit pas être pris sur une balle cadeau. Ça fait deux presque. Hein, dans les organisations collectives, il va falloir gagner ces ballons sans. On sent un petit peu le libéro de la Sul un peu timide hein, dans sa prise de place entre ses ailiers qui prennent de la place. Alors, Antoine fait partie de l'aventure depuis toujours. Hein, c'est-à-dire qu'il est aussi, membre de cette équipe depuis 3-4 ans, dès lors qu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Il était avec eux également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est prendre la place, comme tu le dis, Maximilien, autour de ces grands gaillards qui sont montés en compétences et en expérience. C'est vrai que voilà, prendre sa place, c'est pas si simple non plus. Quoi. Exactement. En plus, c'est l'un des plus jeunes. Hein. Je vois 16 ans. Oui, avec Lucas, c'est les... 16 ans et avec et Lucas, effectivement, Lawen. Ouais, c'est des joueurs qui sont nés en 2007, qui sont les plus jeunes de cette équipe, là.
qui seront encore à 18 à la saison prochaine en plus. Tout à fait. Allez, on retrouve 20, donc, 24. La Sud en réception avec 4 balles de 7. Avec une réception en P1. Lucas qui est arrière, donc il y a 3 attaquants. Ouais, service très bien. Beau service. Très beau service. Très beau service court. Et bon renversement de Lucas. Il vient s'appuyer sur Adrien Roux pour clore ce premier set. Ce premier set, Maximilien, qu'on va. Bah écoute, pas je dirais forcément en demi-teinte, mais bon, Lyon sur lequel il faut pas se relâcher quoi. Voilà, il faudrait pas trop gérer. On a presque l'impression qu'ils ont décidé d'accélérer sur la fin de set à 18-18. Oui, notamment avec Lucas hein, qui. Oui, voilà. Lucas, Maxime, Colin aussi qui a été efficace sur la diagonale. Donc on les sent un peu en gestion. Après, c'est vrai que c'est une compétition qui est peut-être longue à gérer aussi hein, sur 3 jours. Donc on le rappelle, hein, cette compétition N18 qui réunit les 12 meilleures équipes de France après 8 tours, je pense. Et donc bah, c'est une compétition qu'il faut aussi gérer. Attention, des fois, pas trop dans la gestion pour ne pas se faire. Se faire avoir tout simplement, hein, comme pour ne citer que la SCAN. Hein. Qui était tenant en titre et qui est sorti dès les poules. Effectivement, il est passé un petit peu à travers d'un match contre Arne en poule. Hein. Alors, une belle équipe de Arne hein, qui a su les pousser vraiment dans leur retranchement. Ils se sont fait surprendre. Exactement, ils se sont fait surprendre. La surprise de la première journée avec des tenants en titre qui ne jouent pas l'écart. C'est exactement ça. Après, effectivement, bon, il y a toujours un bel adversaire en face. Hein, mais. On voit ici des supporters dans ce petit écrin du petit palais des sports de Gerland, bien présents. Alors on peut être très reconnaissant des gens qui sont ici, hein, les partenaires de ce club, de la fédération hein, aussi qui est partenaire puisque met à disposition cette magnifique production par l'intermédiaire d'Arnaud Bessa présent avec nous ici. Exactement. On peut noter une chose hyper importante et vraiment qui est très intéressante dans le process. C'est que c'est des gens bénévoles qui cadrent et qui ont les caméras en main hein, lors de cette production. Et franchement, après un petit tour là hier et le retour de certaines personnes, ils font vraiment du très bon boulot et je pense que ça c'est à souligner. Ah, c'est plaisant à regarder surtout pour les personnes qui n'ont pas la chance d'être venues sur Lyon pour suivre leurs enfants ou tout simplement suivre le volleyball. Après, on peut voir aussi hein, ce club de l'Azul qui est fortement suivi par des partenaires privés. Parce qu'on a noté que le maillot des jeunes, hein, des partenaires privés, c'est pas le cas de tous les clubs. Donc le petit palais qui est également la salle de match hein, de l'équipe première de l'Azul. Oui. Alors ce petit palais, il a alors pas une histoire, mais même si un peu cette histoire, parce que le club de l'Azul est un club emblématique hein, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, de par son historique. Et alors, pour la petite histoire, j'étais présent sur ces quelques derniers mois avec le club de la Sul. Le journaliste qui est venu voir les derniers matchs à domicile a pas hésité, le journaliste du Progrès, qui est la presse locale, n'a pas hésité à me dire « Écoute, je crois que cette salle, c'est la plus belle salle de sport collectif dans Lyon. Quand on sait qu'à Lyon, il y a quand même du football, du basket à très haut niveau. Effectivement, ici, c'est rempli sur chaque match à domicile. Ils ont des supporters incroyables. » Elle a de petit que le nom, je pense, hein, parce qu'il y a effectivement le Grand Palais qui a plus de 7000 places, hein, j'ai vu à côté. Oui, ça sera pour la Coupe d'Europe avec ces jeunes-là dans quelques années. Espérons-le, Maxime. Mais un petit palais de 1300-1400 places, c'est pas, voilà, ça reste plus que. Et c'est les affluences, il faut le rappeler en élite, c'est les affluences qui sont pleines à chaque fois. Tous les matchs se jouent quasiment à guichet fermé. Il y a certains clubs de pro, que ce soit féminine ou masculin, qui aimeraient bien avoir. Qui seraient envieux de ça. Allez, voilà, dans ce deuxième set, La Sul et Lucas Roy pour commencer ce second set. Allez, on reste hein, sur la précédente, avec un petit changement de zone, le numéro 7. Alors un changement de zone pour les personnes qui nous rejoignent ici. Changement de zone, le réceptionneur a réceptionné sur une partie du terrain. Et finalement n'a pas enchaîné dans la zone qui lui est attribuée au départ. Ouais. Est venu dans une autre zone. Et initialement n'est pas la sienne. Assez atypique, mais plutôt bien exécuté. Le service très travaillé avec beaucoup d'effets. Belle roulette, bien enchaîné aussi hein, d'Adrien Roux. Adrien qui appelle l'intérieur. Avec une belle connexion avec Lucas. Bon enchaînement, récep, attaque d'Adrien. Qui vient se démarquer hein, de son vis-à-vis avec cet appel très proche du passeur. Très proche, oui. Pas vraiment une fixation, mais pas loin. Et on le retrouve au service. Hein.
Ouais, très beau sable. Premier, oui, ça y est, Adrien signe son premier ace de la partie, hein, si je dis pas de bêtises, Maximilien. Tout à fait. Et deuxième fois du match où les joueurs de Saint-Nazaire, très fair play, annoncent la balle bonne. C'est, je trouve bon à, c'est vrai à que c'est signaler, bon à noter, oui, à noter, raison, parce que depuis le début de la compétition, ça a tendance à beaucoup râler. On note souvent l'inverse, et effectivement, je pense que c'est bien de le dire aussi. Ils sont vraiment là pour se faire plaisir et donner le maximum. Ah, une roulette. Pour changer, ça. Adrien Roux. L'R4 ne peut pas enchaîner l'attaque. Avec un passeur qui joue en première main et Lucas qui renverse encore. Et une belle attaque. Ouais. Dommage. C'était un bon renversement encore. Hein. Ouais, c'est le bon choix. C'est le bon choix. Un bon bloc en 1 contre 1. Maxime, un petit peu plus à la peine, j'ai l'impression. Maximilien, là, sur ce bon match. Tout à fait. Pêche peut-être un peu physiquement. Allez, au service, le central numéro 11 de Saint-Nazaire. Lucas Langevin. Un service très agressif et flottant au fond du terrain, mais belle réception du libéro. Belle passe encore à Lucas sur ce grand côté. Et Colin qui passe dans le bloc qui n'est pas bien effectué, qui n'est pas homogène. Donc, homogène tout simplement, ça veut dire que le bloc est compact, les deux joueurs sont collés. On joue un peu moins la fixation, hein, je trouve, Maximilien, en cette fin de premier set et en ce début de deuxième là pour Lyon, qui avait été plutôt bien exécuté hier. Et la Wena qui est présent. Qui a fait un bon match au filet. Une situation de balle cadeau. Ouais, on va sûrement aller chercher son. Ouais, et voilà, ok, on revient par le centre. Très bien, il suffisait de le dire, Maximilien, pour que le. C'est ça. Avec cette combinaison piston, voilà. Donc le piston, tu peux expliquer hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là, effectivement, c'est une combinaison de. C'est une combinaison sur ce qu'on appelle aussi une pipe. C'est la combinaison entre le joueur central avant. Donc la Wen. La Wen qui va créer un point de fixation, en fait, permettant au central adverse de se faire engager. Et le passeur va jouer tout de suite derrière dans un temps quasi identique avec le joueur arrière pour lui permettre d'être tout seul. Et d'être démarqué. Et d'être démarqué face au contreur adverse. Allez, donc service hors des limites du terrain. Donc je rappelle, hein, le terrain qui fait 18 mètres sur 9 de largeur. Allez, au service de passeur de Saint-Nazaire. Tom Le Port Algan. Super service matché, mais très magnifique. Bien tenu, réception. Adrien, et on joue au centre. Grosse faute. Ouais, c'est peut-être le là le. Voilà. C'est pas son poste, on le rappelle. Ouais. Hein. Ça, c'est une erreur typique de quelqu'un qui ne joue pas sur son poste. Il a voulu en mettre un peu trop. Du coup, Saint-Nazaire qui égalise à 4 partout. Et on retrouve Tom au service. Avec encore un gros service, mais belle réception. Tenu. Un contre un bout de fil. Lucas qui se sert son point de fixation, la Wen, pour démarquer Colin en 1 contre 1 sur l'aile. C'est ça. Alors ça joue vite hein, avec, avec Lucas. Moi, tu vois, je vois en Elite Fish, j'arrive à donner des options à mes joueuses de vraiment anticiper sur le poste 4, mais là, c'est juste pas possible, ça va beaucoup trop vite. Alors, Lucas, effectivement, a joué avec l'équipe Elite cette année de la Sulion. Hein. Donc, il a eu une année de formation in situ, hein, parce qu'il a eu du temps de jeu. Il est à noter aussi qu'il a fait l'année dernière, il a été le deuxième passeur de cette équipe de France U18. Donc, il a vécu aussi quelques expériences sympas sur des niveaux de pratique intéressants. Ouais. Bon, avec un chouette maillot, un bleu-blanc-rouge, hein, j'ai déjà dit hier aussi. J'en profite d'ailleurs, hein, juste derrière l'écran, on peut voir notre collègue Jean-Manu Le Provost qui se trouve être justement l'entraîneur de l'équipe de France U18. On le salue. Ouais, qui est venu, à mon avis, observer ses joueurs et ses peut-être futurs joueurs. Ouais, c'est bien. Arrivé le relance, ça joue vite encore. Ça joue très vite. Peut-être un petit peu trop d'enfilé. Un peu trop sur de la contre-attaque parce que Colin n'a pas eu le temps de ressortir. Et l'intention y est. On est sur des intentions. Et du coup, plus 3, une belle série pour Lyon. Avec Max au service, Maxime. Allez, donc temps mort de Saint-Nazaire qui va essayer de casser cette série. On voit le coach qui essaye de calmer les choses. Parce que je pense que si le match s'emballe, ça fera les affaires de Lyon. En plus, ça va jouer vite, ils vont les étouffer. On a noté la présence de Manu Le Provost dans les tribunes. Il est également présent avec Hubert Casabon, hein, qui est aussi un des entraîneurs du Centre National, qui est présent ici. Ouais. Et qui est un des entraîneurs assistants
de cette équipe U18, cette équipe de France U18 qui prépare les futurs championnats d'Europe au mois de juillet. Et le DES avec moi-même, et avec DES, Madame Plasman et Arnaud. Allez, retour au jeu. Allez, Maxime avec au service. Maxime Comté au service, 7-4 pour la Sul. Et un bon service matché pour Maxime. Sur le numéro 7. Et oui, hein, qui tient difficilement cette réception. Et un bon gagnant de Colin Castelnau. Et cette petite danse, hein, là, ils prennent du plaisir. Plus 4. Et oui, on voit des sourires, hein, ça y est, hein, on retrouve un peu de sourire. Les moments faibles sont derrière. C'est ça. On retrouve un petit peu de sourire dans cette équipe lyonnaise. À noter que c'est leur premier match de la journée. Hein. Faut aussi se réveiller. Il y a eu le dodo. Oui, oui. Ils entament, eux, leur première journée, hein, par contre. Ouf. Il a lancé un tout petit peu bas pour Maxime là, hein, qui manque de projection et de hauteur, ce qui rend cette tentative difficile. Exactement. Allez, au service, on va retrouver le numéro 10 de Saint-Nazaire, Léo, avec un beau service. L'OTAN qui agresse au niveau des épaules. Ouais, bien joué le renversement, il y a 1-0. 1-0, hein. Ouais. Superbe jeu là, ici. Un bel effort. Allez, encore une bonne roulette. Allez, là, il faut s'engager, très bien. Balle ralentie par le bloc, une belle passe de relais hein, de la part du libéraux qui va redonner. Ouais, on a l'entraînement là, on travaille les séries. C'est bien, hein, une belle adaptation hein, de Robin hein, qui a une deuxième chance. Hein. Ouais, c'est ça. Il se dépatouille vraiment pas mal, hein. On le rappelle encore une fois, c'est pas son poids, c'est vraiment. Ça se voit que c'est un joueur d'équipe en plus hein, qui encourage les coéquipiers. Service hybride, hein, flottant. Ouais, balle difficilement tenue par Antoine. Et belle passe de relais. Ouais, bien débrouillé, hein, Colin. C'est bien débrouillé sur cette situation. Cette équipe de la Sul, hein, si elle tient la réception vraiment qualitative, elle peut être difficile à jouer, hein, Maximilien. Si Lucas est dans un fauteuil, il va se faire plaisir. Alors ce soir, on pourrait assister en demi-finale à un derby lyonnais. Hein. Villefranche est en train de jouer son quart de finale contre Fréjus. Contre Fréjus, qui est un petit peu l'équipe surprise hein, de ce début de compète. Et en cas de victoire, les deux vainqueurs de ces deux matchs se rencontreront en demi-finale ce soir à 19h30, je crois. Alors 18h30, il me semble, Maximilien. Ouais, alors je te cache pas hein, que... Ça ferait plaisir à beaucoup de monde ici. Et à moi, hein, parce qu'on a quelques pensionnaires du Pôle Espoir dans les deux équipes. Hein, parce que je pense que les deux cumulés, t'en as plus que 8. Il y en a 9, ouais. Il y a 9 joueurs, il me semble, 8 ou 9 joueurs présents sur les deux collectifs. Donc c'est vrai que pour la structure et pour la région, c'est une belle marque de... Une belle vitrine. C'est une belle vitrine, ouais, complètement. Et une récompense aussi hein, du travail de tout le monde. Ouais, service, ça se joue à quelques centimètres. Aller dehors, mais il va falloir qu'il stabilise un petit peu ce service là parce que autant ils se mettent pas trop en danger, j'ai envie de te dire cet après-midi, autant ça peut être un problème sur les futurs matchs hein, s'il y en a un. C'est ça. Allez, réception moyenne. Difficile. Et oui, normal. Alors ils sont à 4 en réception, hein, on le rappelle, on l'a vu hier. Ils ont la possibilité hein, de faire sortir ce libéraux ou de faire sortir un réceptionneur qui serait en délicatesse. Hein. Ouais. Donc ça c'est aussi une option tactique que Florian Selm a sous la manche. Ouais, là encore une fois, c'est très moyen ça. Ça met en difficulté. Hein. La balle est touchée. Ouais, en tout cas, annoncé block out par Madame l'arbitre. T'as eu semblé hésiter un tout petit peu. Ouais, ça fait. On sait pas. Allez, ça Lucas, va très vite. Hein. Au service, ouais. 11-9 pour la Sul. Petit léger matelas hein, quand même. Hein. Faudrait pas se relâcher. Lucas qui va. Il y a deux options, la ligne. Ouais, et il revient sur le numéro 7. Et oui, dommage. Belle attaque. S'en sort bien parce que l'option est mise sur lui, on sert sur lui. Ouais, c'est une belle attaque sur un bloc formé homogène, il arrive à se débrouiller hein, pour un grand spécialiste. C'est bien joué. Hein. C'est bien Robin. On va le retrouver au service hein, juste derrière avec un service sur ce match. Moins 1 pour Saint-Nazaire. Ouais, super fier de Saint-Nazaire qui font du bruit, hein, qui sont fiers de leur équipe. Ils peuvent. Oui, tout à fait. Ils peuvent, hein, ils tiennent la dragée haute à.
cette équipe de Lyon qui fait partie des favoris. Allez, belle passe. Ouais. Le système def est bien mis en place. Allez. Allez. Égalité avec ce bloc à out sur Adrien. Allez. Allez, il va falloir qu'ils accélèrent un petit peu quand même. Comme tout à l'heure, là. Est-ce qu'ils attendent encore le 18-18 pour mettre un coup de collier? Maximilien, ça serait bien qu'ils se mettent un peu à l'abri quand même, hein. Ça me ferait du bien moi. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, c'est bon pour le suspense. Allez. Ouais, bien, allez. Encore une fois, un enchaînement de réception. Encore une belle connexion avec Lucas. On rappelle, hein, ils jouent ensemble depuis la catégorie M13. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Avec Villefranche. Avec Francheville. Francheville, avec le club de Lyon Francheville. Ouais, ils ont vécu quelques petites aventures en Coupe de France. Ouais. Ils ont également été en sélection départementale, hein, avec le comité du Rhône sur les phases finales. Ils ont été vice-champions de France de voliade M13. Ouais. Et encore Adrien qui échoue sur ce service. Ouais, Maxime et Adrien qui sont peut-être un peu en dessous de ce qu'ils ont fait hier. Ils font des fulgurances, hein, de temps en temps, mais oui. Allez, changement de tactique, hein, de la part de l'entraîneur de Saint-Nazaire qui fait rentrer le numéro 4. Numéro 4 qui est le second. Second libéro, oui. Ouais, second libéro, Alexis. Et du coup qui va venir apporter un peu plus de. Un peu de service défense probablement. Exactement. Par rapport aux centrales, même si leurs centrales ne sont pas spécialement grands. Ah, oui, ah, est largement dehors. Hein. Voilà, là c'est dommage. Hein. C'est ce que je disais ce matin, hein. c'est pas des bons choix tactiques ça, hein, de la part de l'entraîneur, oui. Malheureusement les joueurs ne prennent pas encore la mesure de l'importance de ces choix tactiques là faits par le coach. On le voit de plus en plus, hein, c'est des entraîneurs qui font rentrer des joueurs pour un service. Des fois les supporters ont du mal ou ne comprennent pas trop pourquoi on refait sortir tout de suite, mais parce que pour nous un point c'est un point. Ça peut compter. Ça on peut est compter. À 13-12. C'est encore un bon service, hein, de Corentin. Encore une fois, hein, ce petit service poste 5 là-bas, court, qui sort vers la ligne latérale. Hein, on se rappelle, c'est on voit Lyon compliqué. On voit Lyon qui sert un peu moins sur le libéro, hein, par rapport au premier set. Il y a peut-être une consigne, hein, de Florian. Allez, Lyon qui reprend deux petits points d'avance. Ouais, c'est bon encore service. Bien servi. Hein. Avec la combinaison toujours garde. Hop, voilà. Super soutien de. Oh, il... Vraiment. Ouais, super, ouais, c'est combatif. Hein. Ouais, c'est combatif, c'est ça lâche pas. C'est joli à voir. Forcément, je pense qu'ils seront déçus s'ils perdent, mais c'est une équipe qui est plaisante à voir, qui se bagarre. Et là, ouais, hein, Lebrun, qui est toujours présent en bloc, hein, qui, malgré son inexpérience au poste, ralentit et touche beaucoup de ballons. C'est bien. Ouais, des bonnes options prises, hein, de sa part. C'est bien, il peut être fier de lui, hein, parce que. C'était pas évident, hein, d'accepter de pas jouer à son poste. Du coup, il va peut-être avoir une réflexion de la part du staff du Paul, non? Non, je crois pas, non. Non, je crois pas. Dommage, t'aurais pu lui faire peur comme ça. Ah, peut-être j'irai lui en parler, ouais, on verra la réaction. Je suis pas sûr que ça lui fasse plaisir, je vais attendre que sa compète se termine. C'est vrai que le poste de central est un poste un peu redouté, hein, par les joueurs. On expliquera plus tard pourquoi peut-être. Mais... Encore un bon service de Corentin. Toujours cette combinaison. Oui. Et une défense de central. Et Colin qui continue. À passer en vitesse autour du bloc central, dans la petite diagonale. Ouais. Et belle série, hein, du central de la Sud. Corentin, ouais, qui fait une belle série sur service flotte là, qui les met en difficulté. C'est ça. Lyon est supérieur, hein, je pense, dans le jeu. Et en fait, tout simplement, bah, là, le fait de ne pas faire de faute, on leur rend pas le point facilement. Ouais. On voit le coach de Saint-Nazaire qui discute avec son central, peut-être pour essayer de contrarier cette diagonale de Colin. Ouais, je pense qu'il faut que l'ailier de Saint-Nazaire suive un petit peu plus la course d'élan de Colin. Hein. Alors il a la ligne, hein, il sait le faire, hein, mais sur des balles qui sont aussi rapides que ça. Oui, exactement. Si l'ailier vient bien se caler dans sa course, le central aura juste à fermer les angles. Peut-être une option intéressante à faire. Hein. Mais peut-être plus facile à défendre sur la ligne. Que... Ouais, Alors, en tout cas, c'est des options qui valent le coup d'être pris, parce que là, on voit Colin qui... Bah, qui se fait plaisir sur la diagonale depuis le début du match. Ah, il est vite, c'est que Colin est bon en vitesse. Il est capable d'aller chercher des angles francs. Allez. Troisième ou quatrième service de Corentin. Allez, Corentin Berlier au service.
encore un bon service flood sur le numéro 7 sur Robin. Oh, oui. Oh. Voilà, et que va dire l'arbitre? Ouais, ok. Ok, on laisse jouer aujourd'hui. Comme j'ai dit avec Sandrine tout à l'heure, il y a vraiment deux écoles au niveau de l'arbitrage. Il y a les arbitres qui laissent jouer, les arbitres qui sont beaucoup plus stricts. Mais le principal, c'est qu'ils gardent la même ligne de conduite durant tout le match. SS13, plus 3 pour Lyon. Encore un service. Service un petit peu long. Saint-Nazaire qui baisse un peu, je trouve. Oui, qui effectivement appuie plus autant que ce qu'il pouvait faire tout à l'heure. Continue à se bagarrer en défense, mais un petit peu moins offensif. Un peu à l'image de Tours hein, contre l'Arago qui a fait un super premier set, mais qui à mon avis a laissé beaucoup d'énergie, puisque Tours s'est terminé 25-23 et au deuxième set a pris 25-17. Ouais, qui passe pas loin, hein, qui passe pas loin de ce premier set. De faire douter un des favoris de la compétition. Magnifique réception. Hein. Ouais, belle attaque. C'est une super attaque. C'est une super attaque sur une situation de 1 contre 1. Ouais, de Léo. Avec un Colin Castelno qui au bloc tout seul s'engage très très fort. Bien joué de la part de Léo. On retrouve au service avec son service hybride. Ouais, cette réception à 4 qui pose quand même des problèmes hein, d'organisation et de communication. Tout à fait. La belle passe très haute. Hein. Et oui. Robin qui va la chercher très haute. La balle qui est vraiment bien poussée qui permet à Robin de taper la ligne et de passer, vous voyez, dans un trou de souris entre la mire et le bloc. Et Saint-Nazaire qui revient à moins 2. Alors la réception à 4, un petit peu inhabituelle. Hein. Okay. La particularité de cette réception à 4 qui donne plus d'accès possible à la réception, voilà, qui par contre crée plus de zones de conflit, hein, Maximilien. Tout à fait, oui, voilà, c'est ça. Et la réception un peu très moyenne. On remet une balle haute sur Colin qui va se débrouiller sur un bloc formé homogène. Et encore une fois. Ouais. Peut-être l'ailier qui est pas assez. Qui passe dans la diagonale, oui, je crois que l'ailier. Ne lit pas bien la course d'élan de Colin. Même le ballon, il devrait être peut-être jugé aussi par rapport aux passes. Mais bon, tant mieux pour Lyon. Ils se sortent de cette situation, encore une fois, un petit peu fragile en réception là. Ouais. La réception moyenne. Allez, boîte aux lettres. Allez, boîte aux lettres. Ça chambre un petit peu. Ouais, moins 2 toujours pour Saint-Nazaire. Et le numéro 5 qui rentre sur le terrain, restitue leur attaquant. Jules. Qui vient lui aussi amener un petit peu de service. Un gaucher. Un flottant. Et qui... bah, c'est difficile. Hein, mais... ah, superbe. Belle protection de Lucas. Ouais, bien sauvé par Lucas et bien suivi par Lawen. Qui a faim une première main. De toute façon, là, on arrive dans le Money Time ou alors dans le Lucas Time, peut-être. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, c'est bien joué. Une belle protection de filet, un bel appui avec Lawen. Et là, on a le même type de changement avec Tanguy. Balthazar. Balthazar, oui. Balthazar de prénom et Tanguy de nom de famille. Avec Balthazar, qui avait fait une belle rentrée hier sur cette position. Ouais. Il va apporter de la défense. Un bon service matché enroulé. Ouais, voilà, avec beaucoup d'effets. Avec beaucoup d'effets. La passe est belle. Et un bloc à 3 pour faire opposition. Ouais, bien ralenti et défendu. Et en contre-attaque, on va chercher Adrien. Ouais, qui intelligemment vient poser une balle derrière le bloc. Plus 4. Plus 4. C'est bien joué tactiquement. Hein. Ouais, alors exactement. On peut revoir Adrien. Il est sur un bloc formé et il vient poser une petite feinte derrière le bloc, dans la zone des 3 mètres. Difficile hein, pour les attaquants et les défenseurs d'aller jouer ça. Deuxième service pour Balthazar Tanguy. Et encore une fois, un bon service sur la zone poste 1. Une belle passe. Allez, c'est ralenti encore une fois par le bloc et par Lucas. Il joue le renversement. 1 contre 0. Ah, ça va être difficile, ça vient de derrière. Et un bloc à 3. Robin qui bloc force, est ralenti. Qui force. Et malheureusement 20-17 je crois. Ouais, 20-17. Balthazar qui ne sera pas au rendez-vous en défense ici. Dommage, alors, le bloc avait bien ralenti cette première situation. Exactement. C'est une bonne rentrée encore hein, de Balthazar. De beaux services, exactement. Qui permet à la Sul de garder 3 points d'avance en cette fin de set. Allez, il va falloir faire encore un petit effort hein, si la Sul veut se qualifier en 2-7.
cette belle équipe de Saint-Nazaire. Une belle réception d'Antoine Donato. Ouais, et une belle liaison encore avec Corentin. Donc je confirme Maximilien, il va falloir que cette équipe. Oui, alors le Lucatac, c'est pas ce que je voulais dire, Maximilien, je me permettrai pas, mais là effectivement, c'est encore une fois une belle DK. Ouais, il nous l'a fait en fin de set. Une belle réception alors. Mais c'est surtout, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est surtout d'Antoine. Je confirme que dès lors qu'on va réceptionner, cette équipe de Lyon sera quand même offensivement compliquée à jouer, hein, avec un Lucas qui a la baguette et beaucoup de solutions. Quand même plutôt juste avec des solutions un peu partout. Quoi. Donc un passeur qui a quasiment 5 solutions avec son central, c'est 3. Et on retrouve Lucas justement au service, 21-17 pour la Sul. Et qui continue avec son service hybride et son ace. Voilà, moi service matché. J'assume, je l'appelle le Lucas Time. Hein. Le Lucas Time, écoute Maximilien, prenons-le. Tu lui feras part de ça. Et je lui ferai part. Après 20, c'est Lucas qui prend les choses en main, Lyon. C'est vrai. Allez, force est de constater que c'est vrai. Ça fonctionne. Alors, je suis pas entraîneur en élite masculine, sinon je t'aurais peut-être embêté. Ah, mais tu admettras que je peux pas me permettre. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas, mais bon, moi je me le permets. Bah, j'ai encore de la chance de ce côté-là. C'est pas demain que ça arrive. Allez, quoi. Lucas encore au service. Allez, il garde ça, hein, il change la zone, il garde ce service frappé. C'est bien gardé quand même. Allez, c'est défendu. Le renversement va être long. Super. Ouais, bien attaqué, super. Hein. Belle passe, hein, encore une fois, avec un Maxime qui est présent. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien joué, effectivement. Hein. Ça accélère un tout petit peu. Alors Antoine qui fait une belle réception. Une belle attaque de Maxime. Hein. Après une grande course de Lucas pour pouvoir jouer son attaquant. C'est ça. Maxime qui tente sa chance, ça c'est bien joué. Troisième service de Lucas. Avec les copains qui encouragent. Cette équipe de la Sul qui est à 2 points de la demi-finale. Service sur Robin. C'est très bien joué tactiquement encore. Hein. C'est bien soutenu par le libéro. Et une balle cadeau. Une balle cadeau avec une relance très moyenne. Bien accéléré sur la pipe. C'est sauvé, mais ça va être une relance. Allez, le libéro. Et le central, bien joué, Lucas. Ah, je suis désolé, il faut que je le dise. Tu as raison. Après, là, la relance un peu moyenne. Hein, D'Antoine, la relance est un tout petit peu moyenne. Ils ont attendu, il a hésité un peu, je pense. Et là, il a hésité sur sa deuxième relance. Il a hésité. La première est un peu loin du filet, mais Lucas arrive à forcer. Et ça, c'est bien joué. Hein. Une belle attaque encore avec le centre. Et balle de match. Belle liaison et une balle de match. Première balle de match pour cette équipe de Lyon, pour balle cette qualification de demi-finale. Exactement. Allez, moi, je parie sur un ace. Ah, écoute, Maximilien, n'en faisons pas trop. Ouf, bon, tu vois. N'en faisons pas trop, Maximilien. Mon café n'était pas passé loin. Voilà. Et Lucas a voulu trop en faire, mais écoute, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. 24-18. Effectivement, on peut pas lui en vouloir. Les intentions sont bonnes, et encore une fois, hein, si on donne la balle, de toute façon, on va perdre. Alors, Robin, c'est ça. Saint-Nazaire. Robin, là, c'est pareil. Je pense qu'il faut pas qu'il tergiverse trop. Là, il a 8 points à faire. Il tente sa chance, c'est un bon joueur. C'est le Robin time. Oui, il a tenté. Il a raison. Bien sûr, c'est tout à fait le jeu. Saint-Nazaire qui fait un bon match avec ses armes. Oui. Physiquement, on l'a dit, une équipe qui n'a pas les mêmes gabarits que d'autres équipes, mais qui est très bien organisée sur le bloc def. S'est battu vaillamment et avec beaucoup de fair play. Avec une équipe de la Sul qui a mis un peu de temps quand même. Hein, qui accélère sur les fins de set. Voilà, qui accélère sur les fins de set avec ce que tu appelles le Lucas Time. Ouais. Effectivement, mais il faudra qu'ils fassent attention quand même, je pense, s'ils veulent. C'est ça. Surtout contre les copains, j'espère. J'aimerais bien une demi-finale contre Franceville. Ah, je sais pas moi. On va vite aller voir le résultat. Écoutez, en tout cas, une belle victoire de la Sul qui se qualifie en demi-finale chez lui à Lyon pour cette Coupe de France. Donc, prochain une match. Belle équipe de Saint-Nazaire. Prochain match pour Lyon, pour les gens qui voudraient venir encourager l'équipe locale, c'est à 18h30 du coup. C'est exactement ça. Contre le vainqueur du match Fréjus. Très juste, Villefranche-sur-Saône, peut-être un derby comme tu l'as dit. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir assisté à cette belle rencontre. Oui, merci Maximilien. Merci à toi Fabien aussi. Et merci à toute la production pour votre travail. À bientôt. À bientôt.